Au Maroc, les coups de chaleur se sont multipliés alors que les températures dans ce pays d'Afrique du Nord continuent d'atteindre des records, certaines villes ayant dépassé la barre des 40 degrés. Le vent sec et chaud du désert du Grand Sud du Sahara marocain continue de souffler vers le nord en direction de la côte méditerranéenne de l'Europe. Cette période entre la fin juillet et le mois d'août enregistrera des températures plus élevées. L'autre cause est le réchauffement climatique dont les scientifiques nous ont mis en garde. Les experts climatiques marocains ont averti que les vagues de chaleur sévères risquent de persister. Ils ont également indiqué que de nombreuses régions du pays avaient atteint les 47 degrés. Le Maroc est confronté ces derniers jours à une vague de chaleur extrême. Les fortes chaleurs ont causé des décès après avoir augmenté de 50% par rapport à la moyenne. Ma famille et moi avons décidé de venir à la plage pour nager et profiter de la mer. Un hôpital du centre du pays a enregistré 21 décès liés aux conditions météorologiques.